Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On va parler alimentation PC en ATX 3.0 et PCIe Gen 5 avec la MRED MRR-A 1050 watts 80+ Gold. Une alimentation qui est donc à la dernière norme, qui pourra donc gérer les dernières cartes graphiques, qui propose 1050 watts de puissance, le tout en 80+ gold. On retrouve un ventilateur de 140 mm qui est de type ARGB. On va retrouver le APFC, le LCC, le DC, tout DC. Les principaux condensateurs vont être de type japonais, tous les autres condensateurs sont de type solide, les câbles sont intégralement modulaires et on va donc avoir un connecteur 12VH Power en 600 watts. Au niveau de la garantie, la marque propose 10 ans de garantie, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et au niveau du tarif, écoutez bien, on sera à 139,90€ pour un bloc en 1050 watts, 80+ Gold, ATX 3.0 et PCI Express Gen 5. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging, on va retrouver le logo de la marque MRED en haut à gauche, une image du bloc d'alimentation au centre, on retrouve le PCIe Ready 5.0 pour dire qu'on est sur une alimentation en ATX 3.0. Ensuite, on va retrouver les logos 80+ Platinum, 80+ Gold. Ici, on va être sur du 80+ Gold puisqu'on est avec le modèle 1050 watts. Ce sera sur le modèle 1300 watts où on sera en 80+ Platinum. Ensuite, on a la référence et le Nova pour dire qu'on est sur du RGB. Au niveau du bundle, vous allez le voir, c'est ultra classique. On va retrouver le cordon d'alimentation, une petite pochette avec des colliers et la visserie. On va ensuite avoir une rallonge RGB qui permettra de piloter le RGB du ventilateur via sa carte mère. Enfin, on a une notice d'utilisation. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines et on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On enchaîne avec la connectique. Sachez que tous les câbles sont de type plat. On va retrouver un 24 broches ATX, deux câbles 4-8 pins CPU, un câble PCI Express avec deux prises 6-8 pins, deux câbles PCI Express avec une seule prise PCI Express 6-8 pins. Ensuite, on va avoir un câble avec 4 prises SATA, un second câble avec 4 prises SATA, un câble avec 2 prises SATA, une prise Molex, un câble avec 2 prises Molex, une prise floppy, et enfin, on aura un câble avec un connecteur 12VH Power en 600 watts. On passe au bloc en lui-même, on vous donne quelques tech specs sur ce dernier dans un premier temps. Le poids 1563 grammes, la profondeur 170 cm. On est donc sur la version 80+ Gold 1050 watts. On est en ATX 3.0 avec du PCI Express Gen 5. On va avoir un ventilateur de 140 mm qui propose 25 modes RGB.
On est sur du 100% modulaire. On va retrouver le APFC plus le LCC plus le DC, tout DC. On va avoir les principaux condensateurs qui vont être de type japonais. Et au niveau de la garantie, on sera sur 5 ans. Au niveau du style, on donne un peu moins dans la discrétion que chez la concurrence. Sur leur dessus, on va retrouver une grille directement frappée au niveau de la carcasse avec du nid d'abeille, le logo M-RED au-dessus et en dessous le ventilateur de 140 mm en ARGB. On a des grilles sur le côté gauche et sur le côté droit. Au niveau de l'autocollant, c'est classique mais avec quelques couleurs. On va avoir le M-RED, le 80 Plus Gold et le Nova pour dire qu'on est sur du RGB. À l'avant, on va retrouver les différents connecteurs pour les câbles modulaires de l'alimentation, à savoir les câbles pour le PCI Express, pour les CPU, pour le 12VH Power, pour les différents périphériques, pour la carte mère et enfin pour le NovaSync, donc pour pouvoir syncer le RGB entre la carte mère et l'alimentation. Sur le côté droit, on va retrouver le même logo et le même autocollant. Si on passe à l'arrière, on va retrouver une grille là aussi en design nid d'abeille avec le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation, l'interrupteur qui va permettre la gestion du RGB et l'interrupteur pour allumer et éteindre le bloc. Enfin, en dessous, on va retrouver les caractéristiques techniques de ce bloc M-RED. Sachez qu'on va avoir un 3V 3 de 25A, un 5V de 25A et un unique rail 12V de 82A pour 984 watts sur le 12V. Avant de parler tension, consommation, niveau sonore, on vous montre le ventilateur RGB en action. Il est donc ici, il est en 140 mm. On pourra le piloter via le RGB de la carte mère ou alors avec le petit bouton qui est ici à l'arrière. On va avoir 25 modes différents avec des couleurs fixes. Ensuite, un mode arc-en-ciel licorne. Un mode qui va faire défiler les diodes. Et un mode respirant. Et voilà, on a fait le tour de tous les modes. Maintenant que vous savez presque absolument tout de cette alimentation, on va parler un petit peu tension, consommation et bruit. Au niveau des tensions, sachez que c'est impeccable. Rien à dire, hein. C'est pas parce que c'est une marque qu'on ne connaît pas forcément dans le domaine des alimentations qu'on va avoir des tensions qui sont mauvaises. Le 3V 3 passe de 3,34 à 3,32 entre repos et charge, hein. On vous rappelle, on est avec une configuration en 7950X et 3090 Ti en 12VH Power. Le 5V, 4,98 au repos, 4,98 en charge, et sur le 12 volts, on est à 12,26 au repos, et une fois que notre machine est en bench, on passe à 12,17, ça baisse de 0,09, c'est donc très très bon. Au niveau des consommations, on est typiquement sur du 80 plus gold, vous le voyez dans le tableau par rapport aux autres blocs qu'on a déjà testés, on est à 64 watts au repos et on va monter à 730 watts en charge, donc comme d'autres blocs gold que l'on a déjà testés. Ensuite, au niveau du ventilateur, quand on est au repos, ce petit ventilateur de 140 mm est très silencieux. On l'entend quand même un tout petit peu. Par contre, sachez que quand on va passer en charge, clairement, il sera beaucoup plus audible. Alors, nous, on l'entend encore plus puisqu'il est à l'extérieur du boîtier. Mais sachez que dans votre boîtier, tout au fond, en bas, par terre, loin de vos oreilles, dans le bureau, ça restera supportable. Mais on ne va pas le considérer comme silencieux puisqu'on l'entend constamment. Au niveau des températures, par contre, comme on a ce ventilateur qui tourne un peu plus vite que la moyenne par rapport à d'autres blocs d'alimentation, on reste sur des très bonnes valeurs. Alors vous le voyez avec la caméra thermique, le point le plus chaud enregistré à la caméra thermique était de 35 degrés. Voilà, vous savez tout de cette alimentation MRR-A Series 1050 watts par M-RED en 80 plus gold. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette alimentation et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.